Par contre, calmez-vous les mecs, je suis hétéro. Hein. Bonsoir mesdames. Oui. Bonsoir mesdemoiselles. Oui. C'est les mêmes. Et bonsoir messieurs. Oui. Je suis vraiment très heureux de jouer ce soir devant vous, parce que si j'avais joué derrière, vous m'auriez pas vu. Alors ça, c'était un test pour savoir si vous étiez ouvert au jeu de mots. Là, ça va. Là, c'est moyen. Là, rien. Je t'avais dit, il faut jamais te mettre au premier rang. Alors mon spectacle, il est quand même pas mal à la place du jeu de mots, donc tu risques d'en chier. Quand tu comprends pas du même la main, je m'arrête. Voilà. Écoutez, je vais vous emmener tout de suite en Espagne. Et vous allez voir, voilà, en Espagne, il faut pas grand chose. Il faut simplement ça. Non, je ne suis pas Bernardo. Buenos días! Alors là, d'habitude, quand il y a un vrai public de folie, quand il fait Buenos días, tout le monde est folé. Bien, on commence. Buenos días! Maintenant, on va faire plus tour. Moi, il fait Buenos días. Vous faites olé, toi tu fais une mouille bien. Buenos días. Ouais. Allez, comme vous êtes un public fort sympathicos, je vais vous faire une Los Ramos dans la Fontenas. Ça s'appelle El Corboche et le Ronaldo. Et c'est un sketch interactif. Quand il dit El Corboche, tous les hommes font plac. Et quand il dit Ronaldo, toutes les femmes font ouh. On va faire un petit essai quand même. Hein. El Corboche. Et le Ronaldo. Vous voyez pas le cas de Ronaldo. Moche dans une boule. Elle te moche. Est un animal pas très joli. Pourtant, il a un joli smoking négla. Mais le problème, c'est qu'il pue du bécos. Il mange trop de calambos. Du roblophone. Il adore le roblophone. Toute la journée, il est sur la Don Quichotte à la Plancha. Il s'en bruit. Ronaldo. Lui, il est plus classe. Il va en discothèque, il va dans les bars à tapas, il danse comme Julio Iglesias, il tripote des grognas, il embrasse des pétasses. Et surtout, il est nu et moche. Il a une Xaras Portos, avec laquelle il fait des dérapailles. Ayou. C'était la nuit. Ronaldo, il sort de la discothèque, il s'arrête juste sous l'arbre où habite El Corboche. Wow. Et là, il entend Ronaldo. Ronaldo. Il adore ce passage. Ronaldo. Le va la dépasse. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me dis qu'il en piaffe? Tiens, d'habitude, c'est drôle. Il lui dit, y'a mon bruit, emmène-moi à la discothèque, si vous voulez des pétasses. Il dit, y'en donne pas, ouvre la bécosse. Et ton poche. Je pense que ceux qui n'ont pas entendu au foin, la fait grâce. Il a eu un décollement de dentier. On m'a bien dit que mon sketch est plus dans ce milieu.
sinon on va faire tomber l'Europe Laurent. Mais finalement, la queue l'emporte la tête. Il ouvre le Bécos, le Rob Laurent il tombe sur le capot de la Xeras Portos. Et là, Ronaldo, il pète un fromage. L'espèce de hijo de ta maman là, tu vas tout niquer le capot là. Descends, je vais te dérouiller. Elle t'empoche. Il en parle comme un soutien à maman. Il lève les ailes. Il prend l'escalator. Et il descend pour dérouiller Ronaldo. Et Ronaldo, il n'est pas très courageux. Il monte dans la Xeras Portos, il rentre chez lui, il s'allonge et il meurt. Moralité? Eh ben, je vous l'ai dit, les moralités. Mais ça, c'était la moralesse pour les Ronaldo. Voici la moralesse pour les Corbanches. Faut pas faire chier les blousons noirs. Parce que même quand ils sont très moches, ils sont encore beaux.